Quel est votre premier souvenir ? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Chère Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora.
Attends. Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi ? Mimi ? Oui ? Viens dire au revoir. Oh.
Alors... Qu'est-ce que t'as fait? Il faut pas dessiner là-dessus. On a dit un vieux truc et...
Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Thank you.
Mimi, debout. Il est presque 9 heures. C'est l'heure du petit-déj. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours, loin de chez moi.
Elle aurait dû se mettre à crier, mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie, je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Enlève ta tête du pot d'échappement, puis tu vas te ranger ton crâne tout vite.
le murmure du moteur. T'enregistres un moteur de tracteur au milieu du plus beau champ de coquelicots que t'as jamais vu. Mais ces moteurs vont disparaître, Nora. Je dois les sauver pour les générations futures. Est-ce que tu crois vraiment que nos petits-enfants auront moins de bruit de moteur? Bien sûr. D'ici 20 ans, peut-être plus tôt, les voitures seront silencieuses. Et elles voleront, c'est ça? Pourquoi pas? Nous sommes nés avant les frigos, les congélateurs et les machines à laver. Je retourne à la table de pique-nique. Ah, un jour, elle comprendra qu'elle a tort. Attends. Là. Vas-y, ça enregistre. Pourquoi t'enregistres? Je veux t'entendre quand tu trouveras. Quand tu résoudras ma petite énigme. D'accord, d'accord, allons-y. D'accord, alors. Je suis frais quand je suis chaud. C'est facile. Forcément, quand tu connais la réponse. Celle-ci est vraiment facile. Laisse-moi une seconde. Frais, chaud. Une maison en pierre? Non. Bah, notre maison reste fraîche quand il fait chaud dehors, c'est pour ça qu'on l'a achetée. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, tu veux un indice ou... Le pain. Le pain est frais quand il sort chaud du four. Ah, bien joué. Très belle énigme, j'adore. Regarde, il y a une place juste là. On a beaucoup de chance. Chaque fois qu'on vient ici, on trouve une place pile devant la porte. Tu parles d'une chance. On trouve une bonne place à chaque fois que nous allons à l'hôpital. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, allons-y. Je m'en souviens maintenant. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide, la Dordogne.
des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. Hein? C'est quoi ça? Oh, ça doit être le chat de Nora. Peut-être qu'elle a faim. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Comment as-tu... Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Oh, oula, non, 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 non. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé.
Oh, tu es debout. Je partais travailler un peu au jardin. Tu veux bien m'aider? Ok. Il y a quoi dans cette pièce? Rien d'intéressant pour toi. Habille-toi et viens dehors. Et brosse-moi donc ces dents. Oh. Zut. Cette maison, est-ce que je m'y plaisais? J'y venais, mais mon père et mamie se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Je l'ai remarqué à l'époque. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond, et ils en ont jamais parlé. C'est pour ça que je me rappelle pas cet été-là.
Mesdames et messieurs, le train va bientôt quitter le quai. Chérie, est-ce que tu sais... Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre un message pour le train. C'est une excellente idée. Pourquoi tu me regardes comme si je découvrais que tu me trompais? Non, je sais pas. Je me sens idiot de faire ça. Édouard, mon amour, tout ce que nous faisons est idiot. Tu joues avec un train, je gribouille des bâtiments impossibles. C'est ça, la retraite. C'est pas vraiment ça, la retraite. Et tu le sais. Pour moi, ça l'est. J'ai enfin du temps à consacrer à mon mari et à mon fils. Qu'est-ce que tu cherchais? Mon stylo plume. Ton stylo... Celui qui est dans ta poche avant? Ma poche à... Ah oui. Celui-là. Thank you.
Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'elle ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais. J'adorais cette femme. Quelle intelligence,
quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Disait parfois que je ressemblais à Nora quand je rêvassais. Il détestait ça, évidemment. Il n'appréciait pas trop sa mère et il n'a jamais expliqué pourquoi. T'as l'air de bonne humeur, ma chérie.
J'étais en train de me souvenir de notre voyage à New York. L'Empire State Building et tout ça. Ah, ça faisait du bien de partir d'ici. Tu n'arrêtais pas de penser à ton jardin et à tes fleurs. C'est pas vrai. Peut-être que si, un peu. J'aurais aimé que Fabrice vienne avec nous. Il aime tant les États-Unis. 2 semaines avec ses parents dans un petit hôtel de Brooklyn, c'était sans doute pas le genre de vacances qu'il aurait voulu. Disons que ça nous a épargné quelques disputes et... Non, rien. Je me disais juste qu'il me manquait. Même s'il a ta personnalité. Oui, il est... Attends, qu'est-ce que tu sous-entends ? Rien. Reviens ici. Okay.
Regarde, tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. Waouh, il y a tout ce qu'il a volé là-dedans. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés? Je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée! Merci, Mimi! Bien joué, Mimi. Rentrons maintenant. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres, de donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça? Thank you.
Thank you.